Pascal Gentinetta, vous êtes le patron d'économie suisse, le directeur d'économie suisse. La Suisse aujourd'hui est attaquée de toutes parts, les crises se succèdent. La dernière en date, c'est celle qui sévit avec l'Allemagne, notre premier partenaire économique. Les répercussions sont assez fortes. Est-ce que l'économie suisse est aujourd'hui en danger ? Alors je ne dirais pas qu'elle est en danger. Lorsqu'on examine les fondamentaux économiques, la Suisse se porte très bien. Mais c'est vrai qu'il y a, au niveau de l'image, des discussions publiques, certains problèmes. À nos autorités d'être plus fortes, plus robustes, plus claires dans les messages de communication vis-à-vis de ces pressions à l'extérieur, c'est en tout cas ce qu'attendent les milieux économiques. Est-ce que vous avez le sentiment d'être bien défendu précisément par ces autorités, en particulier par le Conseil fédéral et son ministre des Finances, M. Merz, qui est au cœur de la tourmente aujourd'hui ? Alors, d'une manière générale, la politique économique poursuivie par le gouvernement est excellente jusque dans ces dernières années. Il faut le relever, ces derniers temps, quelques problèmes de communication au niveau du Conseil fédéral qui n'a pas toujours donné l'impression d'une union dans les messages qu'elle a délivrés. Nous attendons du Conseil fédéral une voix forte qui montre que la Suisse tient ses engagements et demande aussi aux autres pays de respecter les conventions internationales, les règles élémentaires d'un état de droit. Si notre gouvernement ne le fait pas, personne ne le fera. Doit-on à tout prix défendre ce qu'il reste aujourd'hui du secret bancaire ? Le secret bancaire a une longue tradition en Suisse qui se base sur la confiance entre le citoyen et l'État. C'est un avantage compétitif, c'est un avantage parmi d'autres de notre place économique. Nos autorités et les milieux économiques ont tout intérêt à préserver les avantages compétitifs par rapport à d'autres pays, d'autant plus que vis-à-vis de l'étranger, la Suisse s'est clairement déclarée prête à se conformer aux standards internationaux de l'OCDE. La soustraction fiscale et la fraude fiscale, cette différence va tomber vis-à-vis de l'extérieur. Donc il n'y a pas de raison de lâcher davantage de lest. Nous sommes mis en conformité, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Pourrons-nous maintenir à terme nos avantages compétitifs ? À quoi ressemblera l'économie suisse, la santé de l'économie suisse dans 10 ans ? Alors la Suisse aujourd'hui est très bien placée au niveau des classements de compétitivité. Nous, notre vision, c'est de voir la Suisse toujours au top des emplacements de sites les plus compétitifs dans les 10 ans prochain. C'est du travail dans le cadre régulatoire dans différents secteurs, la fiscalité, le marché du travail, etc. Nos autorités doivent y travailler. C'est là où nous voyons la Suisse, c'est toujours au top de la compétitivité mondiale. C'est la garantie finalement que notre État aura toujours de bonnes recettes, des recettes et de l'argent dans les caisses publiques. Et c'est aussi la garantie finalement que notre État social pourra être financé. Et c'est un peu la méthode Coué que vous présentez là, ou c'est vraiment ainsi que vous voyez la Suisse dans 10 ans ? Pas du tout. La Suisse est un pays flexible, qui a une politique économique extérieure autonome, et elle profite de cette grande flexibilité. Et nous voyons que la Suisse, de par sa flexibilité, son autonomie, parvient à être au top du classement mondial, et c'est la garantie finalement de la prospérité de notre pays.